Hey tout le monde, c'est Jonathan. Aujourd'hui, petite vidéo information sur Resident Evil 2 qui va être assez courte mais intéressante puisque Capcom a annoncé hier l'arrivée prochaine d'un nouveau mode de jeu intitulé Ghost Survivor. Alors en quoi va consister ce mode ? Eh bien, il proposera trois nouvelles campagnes avec trois personnages différents à incarner dans chacune d'entre elles. La première s'intitulera No Time to Mourn. Pas de temps pour le deuil en français, et nous proposera d'incarner Robert Kendo, le propriétaire de l'armurerie que l'on croise au cours de l'histoire dans une scène assez triste. La seconde campagne, Runaway, fugueuse en français, nous mettra dans la peau de Catherine Warren, la fille du maire de Raccoon City. Alors j'ai pas souvenir si on la croise ou pas durant l'histoire, mais du coup, si on ne la croise pas, eh bien c'est un personnage inédit pour le coup. Et enfin la troisième campagne s'intitulera Forgotten Soldier, le soldat oublié, et nous mettra dans la peau d'un soldat de l'USS, l'Umbrella Security Service. Ces trois campagnes seront des histoires What If. En gros, ce sont des histoires non officielles qui sont comme dans un univers parallèle. En fait, dans l'histoire officielle de Resident Evil 2, ces personnages sont tous morts durant l'épidémie. Mais avec ce mode Ghost Survivors, on va vous proposer de les faire survivre et de les faire s'échapper de Raccoon City. On n'a pas vraiment d'infos sur le déroulement de ces histoires, mais d'après les premiers leaks, on aura des niveaux inédits avec des monstres et des objets placés aléatoirement à chaque nouvelle partie. D'ailleurs, en parlant de monstres, il y aurait un ennemi exclusif à ce mode qui n'est pas apparu dans la campagne officielle. Et en plus de ça, ce mode introduirait une sorte de magasin dans lequel on pourrait acheter des armes et des objets avec les points que l'on gagnera en jouant. Un peu comme dans le mode raid de Resident Evil Révélation. Donc tout ça arrivera le 15 février prochain avec, en bonus, les costumes rétro de Léon et Claire. Et ce sera entièrement gratuit. Oui, vous avez bien entendu, le mode Ghost Survivors et les costumes seront gratos. C'est assez étonnant connaissant Capcom, mais on dirait bien qu'ils ont décidé de changer de politique. Et ça, c'est plutôt cool. Du coup, je vous donne rendez-vous le 15 février pour vous faire découvrir ces nouvelles campagnes. D'ici là, il y aura pas mal de vidéos sur ma chaîne. Déjà, on va terminer le let's play avec Claire. Je compte faire pas mal de lives. Il faut que je fasse le mode hardcore avec les deux personnages. Il faut que je fasse tous les trophées du jeu, etc. Donc j'espère que vous serez au rendez-vous. Pensez à vous abonner si c'est pas déjà fait. Et surtout, activez la petite cloche. Rendez-vous ce soir pour justement un nouvel épisode du let's play. Portez-vous bien. Tchuss.